Yo la famille, vous allez bien, j'espère. Tu connais, c'est ton gars, Wikif. Aujourd'hui, je suis encore là pour un nouvel épisode. Ah, tu connais, je suis avec mon gars, Applaud Behold avec fierté. Et yo, tu connais, le kid de 2-8. Yo, mon gars, comment tu vas? Bien, tranquille. Ouais, ouais, tranquille, tranquille, ça va. Ouais, ça va, tranquille. Aïe, Kofi a rien, yo, Beku. Aïe. Aïe. Je connais déjà, ça. Et yo, 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 la famille. Yo, tout de suite, tu seras face à deux meufs. Hein? Tranquille, c'est très simple. Au premier tour, elles vont se présenter, une à une. Et au deuxième tour, elles vont passer au date. Ouais. Ouais, ça peut aller. Ouais, attends, vas-y, dis-moi, c'est quoi ton style de meuf? Moi? Ouais. Bah, la plus loyale. Hein. Hey, 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 mon gars! Toujours frère, t'es mal à ça. Hey, mon gars, je kiffe. Hein. Je kiffe, ouais, vraiment, je suis à fond. Je kiffe le look. Voilà. Hein. Ouais, tranquille. Style aussi avec le nouvel look. Ok, ok, ouais, 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 ça va tranquille. Ok, du coup, tu veux partir avec combien de meufs? Bon. C'est deux meufs, ouais. Bah, on attend de voir. Ah, on attend de voir. On attend de voir. On attend de voir. Ok, tout de suite, on va passer. Les gars, c'est toujours votre gars, Wikif. Un masse de likes et de partage pour cette vidéo. Let's go! Hey, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Tranquille, tranquille, ça va. Ton nom? Mira et toi? Mira, ouais, je suis le kid. Ok, Mira fait quoi dans la vie? Coiffeuse. Coiffeuse. Ouais. Et ton pige? 21. 21? Ouais, tranquille, tranquille, ça va. Au calme. Bonjour mon gars, elle est à ton bout, regarde, t'es clair et tout. Ouais, bien sapé quoi, tranquille. Alors pour l'instant, c'est confirme. Hein. Ah. C'est confi pour l'instant. Hey, confirme, confirme. Ouais, ouais, tranquille. Non, 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 pas confirme. J'ai dit confi, confidentiel mon gars. Ah, confidentiel, ok, ok mon gars, ok, tranquille. Ton mon tika a dit deux ouais toujours et tu as dit deux mais pourquoi des fois tu dis Applaud Behold c'était ouais ça vient d'Aflao en gros ah. Mais bon je n'ai pas dit deux mais tika ouais c'est le 2-8 à la base ah, mon gars ah, ouais elle passe au date non eh ouais au date okay. C'est la prochaine étape non okay, ouais direct direct ouais. Direct ouais. Toujours ouais. Allez ciao okay. Prochaine ouais. Étape ouais hey baby salut, oui, salut. Ça va? Ouais, tranquille, tranquille, toujours, ça va. Je rends grâce. Ton nom? Nicole. Nicole. Ouais. Bon, t'es en mode, tu flippes, y'a quoi? Sois à l'aise en gros. Elle flippe comment? Ouais, ouais. Genre, c'est ce que t'as remarqué? Ouais, ouais. Non, toujours. Elle est comme ça. Elle est gênée, tu... Ouais, ouais. Bon. T'as quoi? Non. En gros, ça va, t'es sûr? Oui. Super? Ok. Ouais, Nicole, t'es en train de flipper ou quoi? Genre, tranquille? Ça peut aller? Ah, ah, ok, tranquille. Yo, mon gars. Ouais. T'es clair ouais, bien let's go. Non, non, non. Il y a encore des tags et tout. Ah, ouais, oui. Tu n'y suis où? Zoroba. Et ton pige? 21. Et déjà, tu fais quoi? Dans mes centres. Dans mes centres. Ok, au calme, mon gars. Au calme. Ah, du coup, on se retrouve au date. Ouais, ouais, okay. Ah, ok, tranquille, ça passe. Ouais, c'était le premier tour. Là, tout de suite, vous allez passer au deuxième tour. Ouais. Le date. Hein? Ici, le date, vous aurez le temps de causer. Elles ont chacune 10 minutes. Ouais. Elles vont passer une à une et vous allez causer pendant 10 minutes. Après, tu vas me dire à qui tu veux donner cette fleur. Okay. Ok. Tu vas partir avec une seule meuf. Ou bien, bon, tu as le choix de partir avec une seule meuf, deux meufs, ou de ne pas partir avec deux meufs. Ouais, toujours. Ah, toujours, tu tranquille, capes. Tranquille. Ok, à la fin de votre causerie, ouais. Tu vas choisir. Ouais. Hein? Mmh. Si tu veux partir avec une meuf, ouais. Tu choisis avec qui tu veux partir et on donne cette fleur. Ah, okay. Tranquille, ça peut aller. Non, c'est pour la gagnante en gros. Ah ouais, ouais tu connais. Sans pression, celle qui va convaincre ton cœur, quoi. Il y a mes 20 qui sont heureux pour la suite. Ah, ok, ok, on est ensemble. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Tranquille, ça va. Ça va, ça va. Déjà, elle rit. Elle rit. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, rappelle-moi un peu ton nom déjà. Mira. Mira, ok, ok, calme. Là, on est en date. Ouais. Je pense que c'est l'étape finale. Mmh. T'es prête? Oui. Toujours? Oui. Ok. Dis-moi, c'est quoi ton style de mec en gros? Bah, vas-y, fixe-moi le regard avant de parler. Tu vois.
J'aime le style. Mais il dit là beaucoup de gens. Tu n'as pas de style, mais tu n'aimes pas les mecs de taille courte au fond. Ouais. Donc, si je comprends bien, les mecs de taille courte n'ont pas de droit au mariage. Hein. Oh, mon gars. Ils ont droit au mariage. Ouais. Ouais. Mais ils sont pas mon style. Ils sont pas ton style. Oui. Ok, donc tu aimes les. Ok. Imagine, c'est le mec là de taille courte qui arrive à te satisfaire de tous les côtés au fait. Tu décides comment en gros à la fin. Là, on va essayer de voir. Non, non, non. Là, c'est parce que non, elle n'est pas sûre d'elle-même, en fait. Parce que si tu es décisif, en fait, c'est parce qu'il y a des raisons qui tournent autour, en fait. Donc, tu dois être décisif, en fait. C'est-à-dire ça ou ça, en fait. Ça passe ou ça casse, en gros. Tu vois, c'est cap. Donc, tu n'aimes pas les mecs de taille courte. Ouais. Même s'ils arrivent à te satisfaire, tu passes, en fait. Parce que tu n'aimes pas. Ça dépend. Je peux tomber amoureux de lui. Ça dépend. Ouais. Ouais. Yo, voilà. Mais tu ne l'aimes pas à la base, mais tu peux tomber amoureuse de lui par après. Mais les hommes courts n'est pas mon style. Ils ne sont pas ton... Ok, ok, je vois. Déjà, tu m'avais dit que tu avais quel pige déjà? 21 ans. Et ouais. Déjà, t'as... par le passé, tu as eu à côtoyer combien de mecs? Je sais pas. Bombastic side eye. Attends, tu sais pas comment. Donc c'est un peu pluré en gauche. À mode, c'est... Ils sont nombreux, quoi. Ah ouais, donc, tu sais pas. Ouais, mais bon, approximativement, en gros, c'est ce que je veux dire. Mmh. Approximativement, c'est-à-dire... tu captes. Mmh. Tu captes pas, c'est-à-dire un peu. C'est-à-dire si tu es un nombre, entre un nombre, en fait, approximativement. J'ai pas compris. Je te demandais par le passé, tu as combien de mecs en gros? Je sais pas. Et tu sais pas. Et je disais, si tu dois situer au fait, c'est-à-dire approximativement, c'est-à-dire, par exemple, supposons que par le passé, j'ai côtoyé quelque chose de 20 meufs, 30 meufs, vous captez? Ouais. Si tu dois situer, s'il veut pas que la personne sache en gros, je vais dire entre 1 et 25, ou bien un truc comme ça, tu captes? Ouais. Ouais, donc chez toi, c'est 0,5. 10 ans. Là, elle est moins sérieuse. Elle est moins sérieuse, mais bon, c'est pas grave. Et puis, ça te fait marrer. Là, on est au DT. Ouais. Tu copes quand même. Bon. Et toi, quel est ton genre de meuf? Mon genre de meuf? Ouais. Donc, comme je l'ai dit, je suis un peu plus simple et plus décisif. C'est la plus loyale, au fait. Okay. Peu importe la gamme. Si elle est loyale, on y va, en gros. Côté beauté, ce qui est accessible en gros. On n'est pas trop exigeant parce qu'on ne va pas épouser à la fin la plus belle du monde. Parce que frérot, tu vas voir cette meuf aujourd'hui, tu vas juger que non, elle est belle. Demain, tu vas encore découvrir une autre. Tu vois, ouais, en gros, c'est... Tu capes. Ouais, je capte. Donc, il y a trop de trucs qui vont arriver. Donc, sois patient et prenons une. Tranquille. Ouais, ok, ouais. Monogamie ou polygamie? Ça dépend. Ok, je vois. Donne-moi une raison et tout. Négalation, couteau, gamme, la sioua. Donc ça dépend de la même vertu. God have mercy on us. C'est pas une raison assez convaincante. Voilà, ouais. Tu vois? C'est pas assez convaincant. Ouais, toujours. Un peu plus explicite, pardon. Polygamie, si tu es riche. Polygamie. Non. Polygamie. Polygamie. Ouais. Si tu es riche. Polygamie, si je suis riche. Ouais. Ok. Ouais. Oh, donc, si tu veux dire que. Non, frérot, laisse la parole. Ah, okay. On y va, bro. Yes. Yes. Et monogamie, si tu es pauvre. Monogamie, si je suis pauvre. Je suis pauvre, pardon. Ouais. Donc, attends. Mais dans le temps de Abraham et tout. Vous n'étiez pas riche, hein? 100 millions. Non. Side eye. Attends, donc avant c'est un peu différent d'aujourd'hui. Je ne refuse pas, mais bon, il y a toujours des pratiques qu'on essaie de pratiquer toujours, en fait. Il y a des pratiques qu'on côtoie toujours, tu vois un peu. Ouais. Donc, déjà, elle dit ça, c'est pas parce que la polygamie est bannie dans le monde, en fait. Ça existe toujours, mon gars. Ouais, ça existe. En fait, je te demande pas d'être un peu des deux côtés, en fait. Soit direct, polygamie ou monogamie, et puis tu vois avec tes raisons, en gros, tu tapes, en fait. Monogamie. Monogamie, ouais. Pour quelle raison? C'est
C'est ce que je préfère. C'est ce que tu préfères? Ouais. C'est pas assez convaincante, mon gars. Elle est un peu timide. Toujours. Ah, Mila, c'est ce que tu préfères comme genre? Ouais. Amour de... Ok, ok, je fais on zappe. On ex au dessus. Ok, riche ou pauvre? Riche. Ouais. Okay. Mais aujourd'hui, si on prend l'échelle mondiale et tout, il n'y a pas trop de riches. Ah ouais? Les riches sont à côté, en gros, mon gars. Ah. Donc, tu te maries pas? Maulana, Tonya. Ma pauvre riche. En fait, ici, il n'y a pas à faire de Dieu. Maintenant, au 21e siècle, c'est-à-dire, Dieu ne fait plus cadeau, en fait. Il faut faire un truc avant d'appeler Dieu. Je ne sais pas si tu capes. Donc, riche ou pauvre, tu dis riche. Donc, en gros, là, c'est toi qui n'as pas pour la polygamie, mais c'est toi qui veux un enfant. Qui n'aime pas l'argent. Ouais, tu aimes l'argent, mais tu n'aimes pas la polygamie. Parce que moi, si je suis riche, frérot, je vais partir avec toutes les mêmes familles. Ah ouais. Parce que j'ai de la monnaie pour les nourrir. C'est-à-dire que je peux te loger là où je veux, ouais. T'amènes ce que je veux, ouais. Et puis quand tu veux me stresser, je pars. Voilà, quoi. Ouais, c'est toujours. Parce que quand on a de l'argent, on est plus humble. Ah, toujours, mon gars. C'est ça. Donc, tu aimes l'argent, il faut opter pour la polygamie. On est d'accord? Ok, pas juste. Non, c'est pas. C'est imposé au fait. Tu acceptes? Ouais. Ouais, toujours. Tant qu'il y a l'argent, là, j'accepte. Ok, ça va. Déjà, elle flippe. L'argent a fait changer ses désirs, au fait. Au début, il me disait qu'il n'est pas le mec pygmé. Ouais. Mais pas après. Par après, ouais. Elle a accepté. Si elle a l'argent. Elle a accepté. Déjà, elle partait pour. Elle optait pour la monogamie, mais avant que l'argent ne. Tu vois, quand l'argent est venu, décidément, bon, tout a changé en gros. Tu captes? Bon, déjà, bon, ça va. Ok, déjà, sur ton face, je vois plus de 5 piercings, tu vois. C'est quoi la raison et tout? J'aime les piercings. Et les dessins? Oui, j'aime bien. C'est pour quelle raison? Juste comme ça, banal? Juste comme ça. Juste comme ça? Oui. Donc un jour, tu peux même tatouer tes parties intimes. Oui, pourquoi pas. Ouais. Donc tu fais visiter tes parties intimes au tatoueur. Parce que pour faire tatouer les parties intimes, il faut que le tatoueur voit un peu, non? Ouais. Donc déjà, le tatoueur qui n'est pas ton mari ou ton gars, il va voir ce que ton mari doit voir en gros, tu vois. Par exemple, supposons que c'est moi qui suis ton mec, tu vois, c'est blessant. C'est gênant en gros. Ouais. Bon. Ok, fais ma voix. Fais ma voix. Du genre. Mini tatouage au toit. Ok. Regarde, c'est terminé. C'est bon, c'est bon. Allô, regarde, tu es artiste et tout. Tu es artiste, peut-être. Tu connais. Oh, non, Charlie. Bon, ça dépend de l'artiste en question. Okay, ici, c'est le kid. Ouais. Je peux te poser quelques questions. Ouais. Tu écoutes les morceaux de le kid? Oui. Ouais, déjà, tu le connais? Oui, je le connais. Ouais, tu connais, tu écoutes ces morceaux? Oui. Ouais, tu peux nous chanter quelque chose, faire un petit truc là. En mode a cappella en gros? Ouais, en mode a cappella. Toujours. Peut-être, ça pourrait me faire prendre d'avion. Toujours. Et les harika les gérer. C'est bon. Et... Bon, Seco comme ça. C'est bon, ok, on a pigé. Elle parle de Seco Chan. C'est quoi l'étude de cette chanson? La chanson que je viens de donner. Ngambi. Ngambi. Donne un titre de sa chanson. Ok, donc en gros, mon gars, vous avez fini. Ouais, on a fini. Sinon, en gros, elle est calme, ouais. Tranquille, avec l'humilité, ça va. Ça va. Ça va toujours. Okay. Ouais, je valide ça au moins quand même. Okay. Je vais aller. Donc, on passe à la seconde. En fait, pourquoi tu me regardes comme ça? Ça dépend de la manière dont toi, tu me regardes, tu vois. En fait, t'es venu, je suis là avant que tu ne viennes. Au moins, un petit salut, ça sera pas mal. Je suis là avant que tu ne viennes, au mieux. Un petit salut, un coucou, ça sera pas mal. Tu vois? Okay. Dans le sens du terme, en fait. Ouais. Ok, désolé. Désolé? Ouais, ça le fait pas. Faut le faire en gros. Je m'excuse. Non. On ne s'excuse pas.
On demande de l'excuse. Ok. On dit, tu vas dire, tu m'excuses. Okay. Je vais t'excuser. Toi, mais okay. tu peux pas t'excuser en gros. Ouais, déjà, avant que je ne t'excuse, tu dois me saluer. Un coucou bien, salut mon gars. Ok, salut. Ok, salut, ça va? Oui, ouais, tranquille, ouais. Rappelle-moi un peu ton nom. Nicole. Ok. Déjà, on est en date. L'étape finale, mon gars. Donc, t'es prête? Let's go. C'est quoi ton style de mec? Un peu plus fort. Et là, Lolo. Amérique et là, Coco. Mais, voilà. Les pépés, là, ils font. Tu peux passer. Mais en gros, tu n'aimes pas les grosses femmes, en fait. Ok. En plus, les mecs de taille. Hein. Les mecs de taille. Ouais. Ouais, toujours. Elle a bon goût. Mais, ce que je ne comprends pas, hey, mes gars qui ont une taille courte, ne vous découragez pas. Dieu est aux cieux. Il va exaucer vos prières, mon gars. C'est eux qui gèrent plus, hein. Ouais. Frérot, si t'as pas de la taille, t'as de la monnaie, c'est ce qui compte. Ah, c'est ce qu'on va faire. Tu connais Grand P? Tu connais Grand M? Mon gars, ces gens sont vus mieux. Déjà, c'est ton style de mec. Mm. Ok. Je vois. Et toi? Moi? En fait, je suis pas trop côté style, en fait. Côté caractère, la loyauté. Ouais. Tu vois? Okay. Même si c'était courte, t'es de grande taille, il faut qu'il y ait de la loyauté. En fait. Je ne peux pas dire que celle-là est mon style de meuf et puis elle va avoir un caractère désagréable et puis bon, je vais me. Non, frérot, ça ne passe pas en gros, man. Parce que je n'aime pas le stress. Tant que c'est avec toi, je vais passer le restant de ma vie, il faut que ça se passe dans la paix. En gros. Ouais, tu vois? Donc c'est un peu ça. Tu captes? Oui. Ok. Déjà, par le passé, tu as déjà fait combien de mecs déjà? God have mercy upon us. Un mec. Tu vois, au carême, c'est bien, pas mal. Et vous êtes toujours ensemble ou quoi? Oui. Toujours ensemble? Oui. Wow, baby! Donc, en gros, elle est en couple. Elle est en couple, c'est okay. Ce que je vois. Ouais. Et déjà, tu apparais ici en étant en couple? Parce que le concept, c'est que tu dois partir avec une meuf. Déjà, t'es en couple et tu apparais. Je ne capte pas. Vas-y, explique. Ce bébé. Il n'y a rien qui m'a dégommé. Ce bébé. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Où est le fou noir? Vas-y, je t'écoute. Moi, je suis là, c'est vas-y. Mais founa, au temps là, je m'en vais, et nous. Genre, je n'en ai pas. Bien sûr que non. Non, je n'en ai pas. Adieu, ouais. Ouais. En fait, c'est une histoire de tu vas croire, tu ne crois pas. Ah, ouais. Pour l'instant, moi, je suis là, hein. Sans pression, mon gars. Moi, je n'ai pas de meuf. C'est pourquoi. Et moi, je vais te poser une question. Ouais, let's go. Pourquoi tu es pas en couple? Pourquoi je suis pas en couple? Ouais. J'ai donné mes principes, mon gars. Ah, en fait. Non, attends, j'ai pas capté. Moi, je suis pas pressé. Ah, ok. Le temps va faire bon les trucs, en fait. Okay, donc, pour l'instant, on est patient. Tu cherches la bonne, quoi. Donc, déjà, si elle me plaît, je peux quitter avec elle en même temps. Ouais, tu capes? Ouais. Donc, ça sera dans l'histoire que non, c'est ici que j'ai découvert mon âme sœur, en gros. Ouais, tu capes? Voilà. Mais si elle flippe, ça le fait pas. Ça le fait pas. Tu vois? Donc, ok, je te repose la question. T'es en couple? Ou pas? Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Pourquoi tu es là? Non, vas-y. Soit direct. Soit t'es en couple, soit t'es pas en couple. Hein. Non, je suis pas en couple. Ah, tu n'es pas en couple. Tu n'es pas en couple? Ich. Tu n'es pas encore marié. Bombastique. Tu n'es pas encore marié. Ok. Donc tu n'es pas en couple? Non. Ça ne va pas. Hein. C'est deux thèmes qui marchent ensemble. Je suis en couple avec le mariage, ça marche ensemble. Ouais. Parce qu'il faut être en couple et puis on finit en mariage. En ouais. Donc, chez toi. Genre, ok, en gros, Nicole, t'as un petit copain ou genre un mec. Oui. Ok. Donc, tu n'es pas en couple. On appelle ça quoi? Dis-moi. Amitié? Amitié? Ok, je suis en couple. Non. Tu vas de tous les sens, mon gars. Ouais. Putain, je sais plus quoi.
ce que je vais croire. Tu es en couple? Oui, je suis en couple. Ok. Pourtant, je devais partir avec une meuf. Et si c'était toi, tu ferais comment? Tu vas faire avec. Criminal offensive. C'est ça, non? Tu vas faire avec. Jean, fixe-moi. Regarde-moi dans le visage. Dans le visage, en fait. Fixe-moi, fixe-moi. Hey. Regarde-moi dans les yeux. Bam, ton regard là. Je comprends pas. Non, quand même. Je lui parle, non? On est que dessus la table. Donc, il doit me fixer. En fait, je suis en couple. Ouais, fixe-moi, fixe-moi. Ouais. Je suis en couple. Ouais. Voilà. Ni il a pas vu mes bena. Ni mon yara qui m'a dit gomero quoi. Tu ne sais pas expliquer ta propre situation. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé en gros. Ok. Là aujourd'hui avant de venir ici, bon, t'as appris que tu devais me rencontrer, tu vois. Donc, quelles sont tes idées que tu as fait avant de venir ici? Déjà, c'est quoi? Tu es venu dans quel mood? Ouais. J'ai pas compris. Le mood, c'est-à-dire. Moi, je peux pas. Je suis élevé, mais moi, je suis plus habitué à parler, tu vois. Ok, c'est Niem le second. Mood du genre. Mood. Humeur, ouais. Humeur. En fait, il y a mes gars en France qui suivent l'émission. Ouais, on parle tout le monde. Donc, déjà, elle. Il doit arriver à comprendre l'émission. Comme ça, si un jour, je lui présente que non, mes gars, voici ma copine, elle aussi peut arriver. Puisse arriver à s'exprimer en français du genre, ouais, une relation, mais bon, quand c'est basique, frérot, tu vois. Mais bon, je te capte en gros. Ok, je vais t'aider. Je disais, ok, là on fait un truc. Bon, vu que bon, tu n'arrives pas à capter mes termes et tout, je vais te dire que notre discussion est arrivée à terme. Aïe. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça va, ouais. Okay. Je te jure. Okay, on est ensemble. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Yo les gars, vous êtes au Togo, à Lomé, et vous cherchez un endroit pour vos événements, vos anniversaires, tout ce qui va avec. N'allez même pas, ne cherchez même pas loin, venez juste à la totale. Contactez les numéros qui sont sur la vidéo et vous serez servi. Le cadre, il est chic, propre, tout est nickel. Hein? Ils sont dans le domaine événementiel et la décoration. Donc les gars, écrivez au numéro et vous serez servi. On est ensemble. Ok mon gars, 10 minutes chacune. C'était comment? Vas-y, dis-moi. Pas mal, hein, t'as assisté. Pas mal. Tu étais de l'autre côté, tu vois le vibe. Ah, non, je dois te demander. Sinon, peut-être, je suis du genre un peu imposant et tout, ouais. Je sais pas si tu capes. Donc, ça peut faire flipper et tout, je sais pas si tu capes. Ouais, mais ouais, en gros, en fait, c'est des femelles. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. C'est des femelles, je comprends. Donc, en gros, c'est ça. Mais bon, elle, tu vas être habituée parce qu'actuellement, il n'y a que des femelles dans la cité. Ça, tu connais. Il y a que mes gars dans la cité. Gang, ouais, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok, du coup, tu as trouvé ce que tu veux, ce que tu désires. Ce que je désire? Ouais. ok. Il y a une qui a su convaincre ton cœur, genre. Non, je n'ai pas dit qu'elle arrivait à me convaincre, en fait. Il n'y en a aucune. Non, j'ai juste dit que non, ouais, ça va tranquille. Ça va tranquille, ouais. Donc là, tu peux faire le choix. Pour faire un choix. Au nom du Fait 8 Gang, je suis désolé. Attends, vas-y. Non. Ok. Naturellement, ouais. Je la kiffe. Ouais. Elles sont bien. Frérot, les formes. Ouais. Tout ce qui va avec. Ouais. Mais de mon côté, c'est pas ça qui me. Ah ouais, c'est pas ça. Qui me tape au fait, qui me tape dessus. Ouais, pour que ça me tape dessus, ouais. Tu dois être confiant de toi. Ouais. À l'aise, tranquille, posé. Un peu timide, tu captes. Tu pars avec toi dans une vibe, tu seras capable, capable de... dans mon mood, tu ouais, captes. Ouais, parce que ouais, moi-même, voilà. Je suis violent, mon gars. très violent. Ok, tu vois un peu, donc je disais violent. Violent. Mais pas un mood violent, du genre la bagarre. Non, je sais, je comprends. C'est le mood, quoi. Ouais, un mood un peu violent, tranquille. Ouais, c'est normal, t'es artiste et tout. Ouais, tranquille, mood, tranquille. Ouais, voilà. Et man, je te dis encore, j'aime bien ton bouquin, bien frais. Moi? On dirait que t'es pas au Togo.
frérot. Moi, ok, c'est moi, c'est moi-même. Mon corps, c'est ici. Ouais. Mon esprit, c'est dans les neuf. Aïe, aïe, aïe. Aïe, God, merci, opulence. Si, ça va, ça va. Ok, man. Ouais, je kiffe bien ce que tu fais. Ouais. Ouais, je kiffe bien ce que tu produis. Faut ça, tu vois, tranquille. Hein, c'est la famille. Dieu. Ok, là, on revient. Donc, tu veux me dire que tu n'as pas trouvé une à qui donner cette fleur? Ah, la vache. Regarde, elle est mignonne, la fleur. Ouais. J'aimerais l'offrir à quelqu'un, mais bon, qui? Allez, la demande est officialisée. Là, à qui? Ok, qui veut repartir avec ça? Ouais, à qui je vais la donner? Ah, au 28 gang. Je veux bien, je veux au meuf, ok, au meuf du 28 gang. Ouais, tu connais, tu connais. Ah, qui veut repartir avec cette fleur? Ah. Là. Question pour une championne. Ok, on ensemble. On est ensemble. Tu veux jouer, mon gars? Ok. Bah oui, quand, fuck, non, mais toi, tu connais déjà, c'est la base. Yeah. Big up à tous mes gars. Attends, ce tout ce qui va avec, mon gars, Black Tech, Ashi ou Gang Gang, on est en bleu. Ok. Ciao. Le date. Le date, c'était comment? Mika 5 et le kid, vous avez causé de, avec lui et tout, c'était comment? Pas mal. Pas mal? Ouais. Bon, je vais te poser une question. Le kid de 8, est-ce que c'est ton genre de mec? Je peux dire oui. Tu peux dire oui. Donc là, il te drague tranquille, tu peux accepter? Ouais, je peux. Ah, ok. Et toi, c'est ton genre de mec? Oui. Oui, t'es sûr? Attends, tu t'avais dit que t'aimes les gars un peu lancés, tu, il n'est pas trop lancé, hein? Oui, c'est bon. C'est bon, oui. Et ça peut aller. Ça peut. Ah, ok. Et le kid a refusé de donner cette fleur à une de vous deux, parce que bon, il a dit qu'il n'a pas trouvé celle qu'il voulait. Et ça fait quoi, tu ressens quoi quand il refuse de ne pas donner la fleur? Rien. Ouais. En mode tranquille, quoi. Oui, tranquille. Et toi? Tranquille. Ouais. Et là, y'a? Aïe. Ok, les gars. Vous connaissez, c'est déjà votre gars, we kiffe. Un masse de likes et de partages pour cette vidéo. Mettez dans les commentaires le prochain artiste que vous voulez. Hein? La famille, on est ensemble, on se capte. Let's go!